Salut tout le monde, c'est NCR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Let's Play sur Planète Zoo. Je lance donc la partie avec ceci le générique. Et donc nous y voici, nous y voilà, nous y étions arrêtés, si je me souviens bien dans l'épisode précédent, on a eu des triplés. Voilà, des triplés pandarous. Qui sont d'ailleurs déjà devenus adultes? Non. Non, voilà, c'est bien ce qui me semblait, ils sont pas encore devenus adultes. Il y a tigresse, il y a machin truc. On les a déjà... Non, on les a pas du tout nommés, effectivement. Alors, il y en a un qu'on a renommé Rookie. Je me souviens pas pourquoi on l'a Taiga et Hindy. Oui, c'est ça. On les a déjà renommés. On les a déjà renommés dans l'épisode précédent. Et donc, du coup, pour cet épisode, c'est tout simplement parce qu'on était aussi en train de construire ces magnifiques trucs acrobatesques pour justement dans cette île qui mélange à la fois. Alors, c'est à la fois les capucins et les capybara et les tamanoirs. D'ailleurs, faudrait peut-être que je trouve un capybara mâle. Est-ce que par hasard, dans les échanges d'animaux, capybara? On va chercher, attendez voir. Alors, on va essayer tous les filtres déjà. Capybara. Capybara. Où est le capybara? Capybara. Est-ce qu'on a un mâle? On a un capybara mâle. Eh ben, on peut l'adopter. Voilà. On l'adopte. Et on l'envoie dans cet enclos. Tout simplement. Et on va voir aussi... est-ce qu'on a des sapajous capucins, là? Alors, avec un S. C'est con qu'on puisse pas faire des recherches. Attends, quoique. Sapajous capucins. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a pas du tout. Donc, le seul couple de sapajous capucins qu'on a, c'est le seul, en fait, qui peut... Qui est dans cet enclos. Et qui n'ont pas, de problème social à cause de leur groupe. Enfin, quoique, si. Si, quand même, c'est le seul truc qui les met au plus bas. Mais le fait qu'il a un très grand espace et qu'il n'est pas stressé, ça... Ça monte quand même au plus haut dans son moral. Bref, donc du coup, sapajous capucins. De nombreux visiteurs pensent que le prier est bon marché. Et ben on va l'augmenter. On va mettre 15 et 6 pour les enfants, tout simplement. Voilà. Pensez encore que c'est bon marché, c'est ça? Attends, on va accélérer pour voir. Qu'il pense encore? Oh, non, il le pense plus. Là, il pense que c'est le bon truc. Alors, il manque aussi, effectivement, pas mal. Les visiteurs demandent aussi de quoi boire, de quoi manger. J'avais déjà mis un distributeur de boissons et de manger ici, mais apparemment, ce ne serait pas suffisant pour eux. Est-ce qu'on pourrait pas, par hasard, y ajouter un stand de boissons? Ou plutôt, non, un distributeur... C'est quoi ça? Oh oui, on peut foutre des comptoirs aussi. Des comptoirs juste comme ça, de boissons. Et de bouffe. Attendez voir. Ça, c'est entrée du zoo, non? De bouffe. Bernie Bakes. Attends, c'est quoi les Bernie Bakes? Ah, c'est des... Ah, des cupcakes. Eh, pourquoi pas? Bernie Bakes. Ah, oh, je ne connaissais pas celui-là. Je ne connaissais pas le Bernie Bex. Et on va prendre un qui est déjà tout fait, qui est fait par le jeu, plutôt que de prendre un qui... Ah, pas mal. Voilà, un truc comme ceci. Et qu'on va le mettre... Est-ce qu'on le met ici? Parce que ici... C'est vrai que du coup... Ah oui, non, j'avais fait un truc effectivement pour aller par là. Ou plutôt par là, hein. Par là, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc ici, et en fait, on va mettre une allée. Voilà. Peut-être pas une allée comme ça.
Peut-être la largeur, on va le diminuer quand même un petit peu. Voilà, on va faire une file d'attente. Comme ceci. Voilà. Non, 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 quand même pas. Hop. Voilà, on va faire un truc droit. Tout simplement. Et l'employé qui est à l'intérieur. Attendez. Voilà. Cet employé-là. Notamment. Hop. Si j'arrive à le prendre. Non, je n'arrive pas à la prendre. Sélectionner groupe, séparer du groupe, non. Comment on sélectionne l'employé qui est dedans? Là, elle. Créer une nouvelle zone de travail. Oh, attends, les distributeurs là ne sont pas dans une zone de travail? Tu te fous de ma gueule. Bon, alors, on va pas en créer une. Justement, on va plutôt. Là, service. Service, service, service. Non, c'est pas service. C'est où déjà les zones de travail? Mémoriaux, non. Mémoriaux de Vivarium. Ah oui, on a eu des effectivement des trucs. Créer un mémorial. Ah oui, c'est vrai. On avait eu des. C'était il y a des épisodes de cela, on avait eu des. Des titans qui sont morts, mais qui ont été remplacés du coup par ces trucs-là. Alors, on va le foutre où? Bonne question, on va le foutre où? Parce que c'était plus précisément vers là, hein. Non, c'était vers là, à la place de ceux-là. Bah, écoute. Voilà. Et là, les visiteurs, ils vont se dire, mais... Comment ça se fait que, du coup, il nous parle d'un titan, alors que la bête, maintenant, c'est pas un titan, c'est une blatte rhinocéros. Mais parce que, avant de la blatte rhinocéros, là-dedans, il y avait un titan, en fait, justement. Et ce qui fait que, du coup, ben, le titan... voilà, hein. Enfin, les deux titans sont morts de vieillesse, parce que, comme un con, le jeu ne me donnait absolument pas de progéniture pour continuer à faire... voilà. Et hop, je vais créer un mémorial. On va le foutre cette fois-ci de ce côté-là. Voilà. Tout simplement. Hop. Voilà. Tout simplement deux mémorials dans le vivarium. Voilà. Bon. Alors, du coup, nous disions oui. Du coup, la zone d'employé. Enfin, l'employé qui vient fraîchement de débarquer là. Zone de travail, voilà. Zone de travail. Et du coup, ça l'a quand même créé, donc je vais le supprimer. Ben, ça va être ajouté là-dedans, en fait. Là-dedans. Et là-dedans. Bon, par contre, tu vas faire des kilomètres pour aller. Ah, quoi, peut-être pas. Tu vas peut-être pas faire des kilomètres pour aller à la zone. Voilà. Et du coup, c'est elle. Tu es dans la zone de travail, resto. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, je pense que c'est... Je pense que c'est bon. Je pense que jusque-là, c'est bon. On va pouvoir, du coup, s'occuper de ce qu'on doit normalement s'occuper. C'est-à-dire à faire des petits parcours optimisation pour les sapoches ou capucins. Du coup, filtre espèce. Ça pas joue capucin. Voilà. Avec du coup ces fameux trucs. Les plateformes perchoirs naturels. Où est-ce que je les avais trouvés ces trucs là? Là-dedans, hein. C'est ça, plateforme perchoir naturel. Je savais même pas que ça existait ces trucs là. Je savais même pas ce que c'était. Alors, bon, ici, voilà, c'est un petit peu du grand n'importe quoi, hein. Donc, on va mettre un tronc d'arbre. Voilà, qui maintient cette planche. Et avec ceci, hop. Voilà, on va créer un faux arbre qui maintient, en fait, du coup, la planche là. Hop. Tout simplement. Voilà, magnifique et formidable.
Ce serait bien qu'on ait à partir d'ici quelque chose qui va à la fois là ou à la fois vers. Oh, attendez voir. J'ai peut-être une idée. Hop. Est-ce que je peux essayer de créer un truc genre. Il tombe sur cette branche et en fait, cette branche va permettre au singe d'aller sur cette liane, par exemple, un truc comme ça. Voilà. Ah mais ça va être chaud. Ça va être chaud à faire un truc pareil. Attendez voir. Est-ce que j'ai pas mieux? Une perchoire fine de 6 mètres. Oh. Ah oui mais elle fait 6 mètres quoi. Pas plus que 6 mètres. J'ai pas plus que 6 mètres! Non, j'ai pas plus que 6 mètres. Bon, écoutez. Ce qu'on va faire. Voilà, on va prendre ça. Non, on va pas faire ça. On va continuer. En fait, on va juste faire tout simplement des. On va continuer à faire des trucs. Voilà, des trucs comme ça. Est-ce que normalement, techniquement, un sapajou, ça peut grimper un truc horizontal comme ça. Ce serait quand même pas mal. Hop. Qui grimpe sur un truc comme ça. Ouais, mais du côté que les visiteurs voient en fait. Que les visiteurs peuvent les voir en train de faire les choses. Comme ça, hop. Voilà, et en fait, pour poser sur ce rocher. Non, pour se poser sur ce rocher. Ah, quoique, attendez voir. Pas favori. Biome tropical du continent Amérique centrale et du Sud. Pourquoi pas? Genre des racines. Trucs comme ça, non. Non, je sais pas du tout. Avec quoi je peux poser ce truc Habitat. Habitat avec ça. Malheureusement, c'est le seul truc que je pourrais prendre. On va enlever l'animal à la surface. On va enlever les trucs d'angle pour avoir plus de liberté dans les angles. Voilà, un truc comme ça. Truc comme ça, sachant qu'une planche, cette planche est vachement longue. Donc ce serait bien aussi qu'on ait. Hop, un truc comme ça, hop, qui s'accroche comme ceci. Hey, attends une minute. Alors déjà, on va faire lecture, on va voir est-ce que du coup le sapajou, il peut. Non, pas là-dessus, c'est là-dessus, voilà. Est-ce que le sapajou, il peut. Zone traversable, ouais. Et pour ça, il faut que je sélectionne le sapajou pour ça. Donc pour ça, on va sélectionner Blanca, par exemple. Oui, il peut traverser comme ça. C'est-à-dire, il peut grimper comme ça et aller jusqu'ici. Donc nickel. J'ai bien fait de faire un truc pareil. Bien. L'inspectrice arrive dans 23 mois. L'inspectrice était déjà venue. Tadeo a rejoint un groupe. Wow! Attendez, ça c'est une meute, les capybaras, maintenant? Tadeo, je rejoins un groupe. Ça veut dire que c'est une meute. D'accord. Apparemment, les capybaras, ça fonctionne en meute. Je ne savais pas. Je ne savais pas. J'ai pas souvenir. Population adulte. Ah non, mais c'est bon, vous êtes deux. Vous n'êtes pas deux? Population adulte 2. Bah, lourd. On dit pas qu'on t'a envoyé très jeune. Ouais, c'est une adulte. Et lui, c'est un adulte.
Et tu es le mâle alpha, et l'autre c'est la femelle alpha. Oh! Oh, des petits hauts! Des petits hauts ta baignoire! Alléluia! Alléluia! Et d'ailleurs, à propos de petits hauts, Dragon Komodo, ça se passe comment? Parce que du coup, lui, il va bientôt mourir. Il n'y a toujours pas de femelle qui puisse être fécondable au dragon de Komodo. Attendez voir. Dragon de Komodo. Non, il n'y a toujours pas de femelle. Putain! Oh bah je crois que cet animal va mourir. Hein. Je crois que notre dragon de Komodo, il est foutu. Il est foutu. Mais du coup, on a des petits tabanoirs. Qu'il faudrait qu'on renomme d'ailleurs les petits tabanoirs. Oh, il se met en boule. Pourquoi? Il se met en boule avec son petit ou... Non, il se met juste en boule. Enfin, elle se met en boule. Aucun stress, pas de problème d'alimentation. Bon, on va voir. Tamanoir. Tamanoir. Du coup, le petit s'appelle... C'est un mâle, il s'appelle Raphaël. Mais comment on va l'appeler plutôt? Plutôt que Raphaël. Bah, Tamanoir. Comme dans le dessin animé, Tamanoir et Fourmilius. Non, 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 ça le fait pas. Jim. Jim, tout simplement. Non, j'ai dit Jim. Jim, tu vas me laisser le nom de Jim. Merci. Jim. Voilà, tout simplement. Sa longévité est pas ouf. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Parce que la longévité de la femelle était pas ouf de base. Et longévité du mâle. Ah oui, non, mais ça c'est Jim. C'est le jeune. Longévité du mâle. Qui est ici. Alors que la longévité du mâle, si je regarde. Ouais, d'accord. D'accord. Ok. Mais par contre, côté fertilité, non, ça. Et côté immunité. Ah oui, faut vraiment qu'on regarde. Recherche scientifique. On n'a mis aucune chercheuse dans les recherches scientifiques. Très bien. Très bien. Alors, le mieux serait une recherche sur les sapajous capucins. Histoire qu'on a peut-être d'autres trucs à débloquer niveau. Et on n'a pas fait de recherche non plus là-dessus? Mais punaise! Thème préservation, thème nouveau monde. L'électricité. Ouais, un niveau 2 en électricité, pourquoi pas. Thème Australie. Locaux de personnel. C'est vrai que vous manquez de locaux de personnel. Alors, on va vous faire des recherches sur le locaux de personnel. Voilà. Et on va faire lecture en même temps que l'on construit, qu'on continue à construire en fait, du coup, ceci. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être parce que là, une corde qui est quand même suspendue, ça me paraît complètement suspect. Peut-être essayer de faire en sorte que ça soit quelque chose de réel. Plutôt avec des éléments de décor, de faire ça. Des éléments de décor qui sont escaladables, bien entendu. Il n'y en a pas! Il n'y en a pas. Si, il y en a quand même. Il y en a quand même. Alors, un tronc énormissime. L'énorme tronc d'arbre. Non, on a quand même, genre, ça. Voilà. Truc comme ça. Pourquoi pas? Tiens, on n'a pas de truc architecture. Si, architecture. Ah oui, mais d'accord, c'est juste ces petits trucs-là. Ouais, non. Non, ça n'irait pas. Ça n'irait pas. Faudrait quelque chose de vraiment petit, mais on n'a rien de petit en fait. On n'a rien de petit. Donc peut-être que... Peut-être que c'était une connerie de faire... Peut-être si je vais dans nature, peut-être un truc genre des lianes et tout ça. La mousse espagnole, pourquoi pas. De la mousse espagnole. Il faut que je surveille de temps en temps le calendrier.
pas qu'il y a eu des naissances. Il y a eu des naissances, effectivement. Et comme un con, je fais n'importe quoi. Hein. Parce que sinon, si je m'occupe pas des bébés animaux, voilà. Et en plus, Alana est retombée enceinte. Super excellent. Alana, n'est-ce pas? C'est toi qui as eu des petits. T'as eu des petits avec qui d'ailleurs? Origine, sociale, Henrik. Ok, Alan et Henrik. En plus, vous êtes tous les deux jeunes, j'imagine. Ou exactement, vous êtes tous les deux jeunes. Donc, vos petits, je peux déjà. Quoique. Ouais, non, parce qu'elle attend un gamin. Donc, enfin, elle attend d'autres petits. Donc, autant pouvoir les vendre immédiatement, hein. Pour la modique somme de 900$. C'est pas ouf. Mais je les vends quand même. Je les vends quand même. C'est quand même ça, mieux que rien. Putain, et ça fait un moment en plus qu'elle a eu des petits. Cette araignée. Qui est d'ailleurs retombée enceinte. Ouais. Ah, d'accord, elle pond des œufs un par un. Intéressant. Intéressant. Bon. Bon. Alors, du coup, revenons à nos moutons. Toujours en. Voilà, en continuant à faire tourner le temps. Nous étions là-dessus. Ah, punaise, peut-être que les. Peut-être qu'ils veulent se foutre à l'abri, eux. Non? Comment ça se passe? Non, le capybara, lui, il va se baigner. Ok. Il va se baigner. Non, il va de l'autre côté de ce truc. Je sais même pas pourquoi. Il y a rien de l'autre côté de ce truc. À part un aller pour où les visiteurs n'ont pas le droit d'y aller, mais. Ah, du coup, il fait le tour par là. Il voit qu'il y a une grille, qu'il peut pas passer la grille. Il peut passer en dessous de la grille. Donc il va en dessous, d'accord. Alors le capybara peut plonger. Intéressant. Oui, je m'intéresse à la vie animale. Oh, recherche mécanique déjà terminée, mais vous êtes rapide. Bah, continuez à faire des locaux de personnel. Vous avez débloqué quoi comme locaux de personnel exactement? Une cabane de soigneur encore plus grande. Mais ça peut être vachement intéressant. Notamment parce que ici on a mis un cabinet vétérinaire. Là, le cabane de soigneur, il est petit que chez petit. Est-ce qu'on pourrait pas l'agrandir? Genre l'agrandir, mais de ce côté-là, quoi. C'est-à-dire, je vais faire une cabane. Je vais continuer la route pour les visiteurs qui fassent tout droit comme ça. Et ça fera une deuxième cabane de visiteurs. Pourquoi pas? Bon, ce sera peut-être après. Ce sera peut-être après, ce sera peut-être plus tard. Je me dévie. Je me dévie de ce que je vais faire. Ici. Voilà. Voilà. Un truc plus serré en fait. Comme ceci. Voilà. Magnifique! Comme ça, ils peuvent marcher là-dessus une fois qu'ils descendent ici. Ils marchent sur les cailloux et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une autre idée qui me vient à l'esprit. Les visiteurs sont pas très loin des trucs, donc. Pourquoi pas? Au bout d'un moment. On leur donne la possibilité pour ces singes de descendre par ici. Et de descendre, mais pas loin en fait des visiteurs. Quitte même à ce que ça aille carrément dans leur chemin. Ils vont se prendre un arbre là, non? Si je fais ça. Ouais, ça fait un. Ça risque de créer un bouchon.
Ouais, vous voyez, ils sont en train de contourner. Ça les bloque. Ça les bloque d'avoir fait ça en fait. Ça n'ira pas. 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 Ce qu'il faudrait, c'est peut-être prendre. Tac. Encore? Mais ça alors, je ne m'y attendais pas. Si, je m'y attendais totalement. Donc, où est-ce qu'il est? C'est pas ici. C'est pas ici. Non, je. Ah! Voilà, Miguel Patte Rouge. Tac. Donc, j'ai envie de garder cette femelle par exemple. Elle a quoi comme truc? Gène, ouais, parfait. Parfait comme gène, ça. Alors, je rappelle aussi le principe en fait des gènes, c'est tout simplement pour que l'animal coûte plus cher à l'achat que les précédentes. Voilà, gènes de longévité. Donc, du coup, on va faire c'est que Henrik, tac, et Félicidade, on les vend. Vivarium, on achète du coup. Ah merde! Pas ouf. Pas ouf, mais bon. Je pense que ça va pour compenser. Ah merde! Ah non, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Bon, écoute, échange rapide. Hop. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais, effectivement. Migal à patte rouge, voilà. Ah bah c'est tout de suite mieux. Bon, par contre, sa longévité va diminuer, ce qui va aussi diminuer la longévité de l'autre. Mais c'est tout de suite mieux. Voilà. On va quand même voir ce que ça donne en génétique, tout ça. Hop. Si je te compare avec ça. Ouais, donc potentiel génétique de fertilité qui est dans la zone rouge ici. Et par contre, la longévité. Allez, la longévité de la progéniture qui va. Ouais, qui va baisser. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec, on va continuer du coup ce qu'on voulait faire à partir d'ici. C'est-à-dire, hop, 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 hop. Très bien. Tac. Ouais, un truc comme ça. C'était peut-être un truc comme ça qui serait le mieux. Voilà. Comme ça. Voilà. Qui passe par-dessus les visiteurs. Ils se disent, oh tiens, il y a un singe qui est suspendu à notre tête. Et oui, effectivement, il y a un singe qui est suspendu à votre tête. C'est un singe farceur. Voilà. Comme ceci. Bon, près de l'éolienne, effectivement, c'est pas ouf. Mais bon. Voilà, hein? Donc du coup, et comme ça, les visiteurs, ils sont pas bloqués par les poutres. Et ils peuvent voir de près et de loin. Ah oui, par contre, ils voient, d'accord, ils voient le panneau. Un service qui est en panne. Distributeur de... Comment ça, distributeur te payer en panne? Attends une minute. J'ai mis des réparateurs. Non, j'ai pas mis de réparateur. Oui, parce que merde, les mécaniciens, effectivement. J'y avais pas pensé. Les mécaniciens, malheureusement, ils sont tous à une zone. Bon, écoutez, on va mettre un mécanicien magique alors. On va mettre un mécanicien magique. On va engager un mécanicien magique. Du coup, mécanicien. Hop. Voilà. Et ta zone sera. Bah, déjà, tu vas juste réparer des services. Et les actes de faire des recherches mécaniciens, non. Panne d'attraction, oui. Inspection des distributions, oui. Non, tu vas juste faire ça. Voilà. Réparer le mur. Alors, préparer le mur d'inventaire, non. Faire des recherches mécaniques, les pannes d'attraction, inspection des distributeurs. Et voilà. C'est tout. Ce sera ton job. Tu vas faire seulement ça.
Et tu vas déjà te foutre à la tâche avec du coup celui-ci. Oh! Des 5 langues bleues qui de supplémentaires, excellent. Ouais, et du groupe social qui s'est déjà mis au plus bas. Donc, c'était quoi? C'était qui? C'était Eva. Eva Naissance. Mais merde, j'avais même pas vu tout ça! Attendez, il y a encore des petits que je n'ai pas vu. Bon, alors Eva, tu étais avec qui? Tu étais avec Logan. Mais est-ce que c'est bien qu'on te laisse, qu'on vous laisse encore tous les deux là-dedans? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt Eva? Parce que Eva, t'es vieille. Logan, t'es jeune. Attends. Déjà, regardons les la génétique. La génétique. 58%, pas ouf. 5 à langue bleue. Les deux s'appellent Hudson. Eh ben, lequel des Hudson prendre? Très bonne question. Bon, écoutez. Et Logan? Ouais. Ouais. Vous avez chu. Vous avez chu. Très bien. Donc, je vais garder le Hudson là. Hop. Et je vais échange de vivarium. Déjà, je vais les vendre. Voilà. Oh putain, il était en or en plus. Pour 2000. Et on se fait de l'argent avec ça. Du coup. Les 5. Comment tu écris? S-C-I-N. 5 à langue bleue. Il te faut une femelle. Et la seule femelle disponible, elle est pas ouf. Tant pis. Tant pis, qu'est-ce que j'ai vu que je te dise? On va faire avec. On va faire avec. Tant pis, et en plus, elle est encore jeune. Jeune adulte. Adulte, d'accord. D'accord, donc elle va bientôt mourir. Voilà, elle va bientôt mourir, vous. Et bien entendu, il y a elle. J'avais même pas vu que qu'ils avaient aussi fait des petits là-dedans. Donc, ou à moins que, non, même pas. Alana, elle est partie depuis un moment. Du coup, son nom, c'est Yardley, qui était avec qui avec Benabar, bien entendu, le chanteur. Enabar, vous êtes tous les deux vieux, vous allez partir avec. Ensuite, lequel est le mieux en côté génétique qui peut rapporter plus d'argent? Pas lui. Très clairement, pas lui. Ouais, le gène de longévité, en fait, qui est merdique pour tout le monde, c'est ça? Ok, le gène de longévité qui est merdique pour tout le monde. Cependant, Ambre a l'air quand même vachement mieux. Ouais, on va prendre le premier. Un mâle. Tout ça, on va le mettre dans l'échange de vivarium. On va les vendre pour 700... Putain, mais ça coûte que dalle. 762, bien. Blatt, rhinocéros. Il te faut une femelle. Eh ben, une femelle de qualité. Écoute. Pour 23 feuilles? Parfait. Voilà. Femelle de qualité, vous allez pouvoir faire quelque chose de magnifique en termes génétiques. Normalement. Ouais, vous avez un petit peu... Vous avez même beaucoup augmenté côté longévité pour la progéniture. Et fertilité, bon, ça va rester à 67%. Hein. Y a pas photo. Bon, eh ben écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode où on a fait surtout pas mal. On n'a pas avancé grand-chose, hein. On a juste fait quelques petites améliorations par-ci par-là. On a vendu des choses. On a fait le classique, quoi. On a fait le classico. En tout cas, si cet épisode vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la partager à vos podos, la commenter. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, voire même la suite de ce let's play. Punaise, j'ai encore des petits à vendre. Bon, je vais les vendre en même temps. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et à enclencher la cloche de notification. C'était YanSTR. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM. Alors du coup, Keshi, tu es avec qui? Tu es avec Fine. Fine, c'est fine tout ça. C'est très très fine. Très très fine.
Keshia est fine. Comme ça, vous êtes vendu. Génétique. Ah putain, fertilité, elle est pas ouf. Jaï fertilité. Oh, Jaï, on va te garder. Jaï, c'est parfait. C'est parfait. On a trouvé. Pas la peine. Donc, Jaï, t'as mal. Les autres, on les vend. Magnifique. Et on va te chercher une femelle de qualité. Donc, escargot tigre. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Bon, bah, Jaï, excuse-moi, mais je crois que tu vas avoir. Tes progénitures vont avoir quelques petites chutes. Bref, je quitte là. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Bande de PGM.